Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. Actuel, raccordé maintenant à moins de 8 jours ce jour à 25 secondes. Voilà les écarts à maintenant. On a 18 secondes à 18 secondes, ça va être bon. On va en sprint à 3 pour les 3 hommes. Le sprint est lancé pour les coureurs. Alors je vais quand même essayer avec les coureurs d'Aix. Voilà. Et il a réussi. Olivier Bernard a réussi à l'emporter. Il avait été deuxième, terminé deuxième. Et oh là là, on termine juste sur les talons des champions sur la ligne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire la photo finie. Je vais voir l'arrivée. Alors, regardez le bandeau. Hop. Il y a 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est pas du tout. C'est pas le bon temps qui va se mettre ici. Nous avons besoin de la tour de temps qui se mette sur la ligne. L'an dernier, et qui remporte cette année la victoire avec son club toujours d'Aix, puisqu'il porte toujours les couleurs d'Aix-en-Provence. Voilà, Étienne, l'adjoint sport, vous allez lui remettre donc son prix également. Et bien sûr, le bouquet du vainqueur qui n'a pas volé, puisqu'on l'a vu dans l'échappée des 15. Ensuite, il est ressorti et il a eu le dernier mot au sprint devant ses deux camarades d'échappée. Voilà, alors regardez, regardez. Il a un jambon, un jambon. Voilà, on remercie d'ailleurs les deux bars qui sont ici, voilà, qui offrent des cadeaux aux différents vainqueurs. Monsieur le maire va lui remettre la poina d'honneur, voilà, pour en souvenir de cette victoire. Et à Médecin Palais, vos applaudissements pour Oliver Knight. Voilà, donc, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au sport, et merci encore à la ville de Saint-Palais. Et bravo, donc, au grand vainqueur du jour, Oliver Knight. Oliver, d'ailleurs, tu vas revenir après, hein, parce que tu as un autre prix tout à l'heure. Ouais. Voilà, quelle est votre course aujourd'hui? Vous avez gagné cette course à Saint-Palais. Parlez de cette course. Oui, cette course, ouais, j'aime bien cette course. C'est super bien pour gagner. Et le premier de la saison, c'est super cool. Vous avez sapé, vous avez pris les sapés, vous êtes parti de loin et là après il y a le regroupement. Juste là vous avez sprinté. Ouais, exact, c'est ça, c'était un sprint de 3, j'avais confiance contre ces deux coureurs là. Et ouais, c'est super bien. Merci beaucoup. De rien. Le meilleur grimpeur qui donc appartient donc Océane Top 16. Bravo Jérémy, qui a fait une superbe course, bravo. Oui, on continue. La météo et les difficultés du jour, ça fait une course qui est difficile. Et ouais, je me suis régalé à monter vite à peu près toutes les bosses. Et c'est dommage que tactiquement, avec mon collègue, on n'arrive pas à se trouver dans le final. Mais c'est comme ça, ça va venir. On se connaît pas encore très bien, mais on va commencer à prendre nos marques, ça va être chouette. Est-ce que demain vous êtes fixé un objectif aussi, parce qu'il y a trois montées sur le col de Gambia? Ouais, alors personnellement, c'est une course qui m'a toujours un peu convenu parce que j'aime bien quand c'est dur. J'ai fait deux ou trois fois top 10 sur cette course-là. Et avec mon collègue, je pense qu'on peut avoir des ambitions avec les jambes qu'il y a eu aujourd'hui. J'espère que ça marchera demain. Merci beaucoup. Voilà. Tout ce qui est signalétique, c'est la société Astana à Biarritz. Très combatif durant toute la journée. Bravo, Baptiste Gay. Prix sexo. Bravo. Bon espoir. Ander Gansaval, qui était tout en devant dans la course, qui a fait une superbe course. Ander, bravo. Voilà la coupe et le prix
qui lui est remis par Karine. Voilà, sur le podium. On la voit bien fort. On gère les sports, on en reparlera. Il va recevoir donc son prix. Inédit, avec Oliver Knight qui retourne sur le podium. Il est tout jeune, il faut le rappeler, c'est un jeune coureur qui a réussi une belle course aujourd'hui encore. Comme on l'avait vu l'année dernière, il avait terminé deuxième ici, derrière Valère Thibault, qui avait gagné, qui a été déclaré, qui est du Pays Basque pour l'étape, la quatrième journée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint pour l'équipe Occitane. Merci, bravo. Merci, bravo. Tous ceux qui ont encadré la...